Nous, c'est Daniel et Virginie. Le projet, c'est la route de la soie. Pour le moment, on prépare Phil un Unimog de 1986. Et on a la chance de le faire en Corse. Alors suivez-nous, abonnez-vous. C'est magnifique. Lui, c'est Saïd. On est chez Saïd, à Fraout. Et le petit déjeuner chez Saïd. Il y a du café. Oui. Ça se voit, c'est un peu jeune là. 40 millions d'années. Ouais, 60. 60 ans. Voilà. Un fossile de Corse qui arrive au Maroc. Chez Saïd. C'est un cadeau. Celui-là, c'est Bergo et Sartel, là, Sartrefus. C'était devenu supérieur. Donc, c'est devenu Pragen, il est devenu supérieur. 400 millions d'années. 400 millions d'années? Ouais. C'est un magnifique cadeau. Oui, c'est un autre. Alors au Maroc, les écoles sont toujours colorées. Ça va donner plus envie d'y aller. Donc à la sortie de la piste, on voit beaucoup de garages. Parce que la piste, elle pardonne pas aux véhicules. Hein. Des soudeurs. Réparation de pneus, de roulements, on peut tout faire.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a envie de s'amuser. On va faire quelques essais de sable, mais on n'a pas encore assez dégonflé. Malgré tout, ça permet de voir que Phil, tout lourdeau qu'il est, a suffisamment de couple pour se sortir de situations délicates. Il s'amuse, hein. Recule. Allez, vas-y. Quand je vois le rideau trembler, vous tous mes vêtements ici. Allez, il est sorti tout seul. C'est clair, là. Je suis sûr que c'est clair. Je suis le climat de la pluie. C'est parti, tu voulais me donner des oranges. Tu lui as donné quelque chose, là. Oui. Ouais. Il recommence. Je sais. Parce qu'après l'embrayage... Oui. Oui. Les étendues de désert sont incroyables. On peut rouler des kilomètres avec une vue à 360 degrés, sans personne, sans autre vue que celle que nous offre la nature. Nous sommes sur la piste Tafraout Sidi Ali Zagora. Et après beaucoup de zones de sable au départ, après le lac Médère, nous sommes sur des pistes très caillouteuses. Je
mémorial où nous sommes arrêtés est un hommage au mécanicien Mohamed El Gordito, cousin d'Ali Nassir à Zagora, qui a repris la suite du garage. Alors que nous sommes arrêtés pour le casse-croûte du midi, trois Italiens s'arrêtent pour attendre leurs deux collègues. Que proposer à des Italiens ? Un café espresso, bien sûr. Pour eux, boire un espresso en plein désert a été un grand moment. Cette piste longe la frontière algérienne. Alors, nous devons nous arrêter pour passer les checkpoints assez régulièrement. Pas bien là? Ouais. On vient de passer un poste, un checkpoint, ouais. Marocain, puisqu'on est au milieu du désert. Ils te demandent les passeports. Voilà, ils vérifient. Comme ça, si on se perd et qu'on n'est pas arrivé au prochain checkpoint, ils envoient l'armée. avec les hélicoptères. Avec les hélicoptères et tout. On a laissé passer quelques motards qui passaient parce qu'on fait une poussière. Un petit oasis, hop là. Et là, il y a un puits. Au milieu du désert. Nous allons traverser le cratère d'un volcan, mais avant il faut grimper. La vue est encore une fois époustouflante. Je sais, je ne peux que me répéter. Aller au Maroc sans quatre roues motrices serait l'assurance de passer à côté de toutes ces merveilles. Nous nous arrêtons passer un moment avec un Touareg et ses chèvres.
nous offre le thé, nous lui offrons fruits et biscuits. Regarde. Choukran. Enfin, on est arrivé à la caserne. Ça y est, on l'avait casé. La fin de la piste est cassante, donc très usante, comme vous pouvez voir dans les mouvements de la caméra dans le camion. Nous arrivons au camping Oasis Palmier à Zagora, où demain nous portons les véhicules chez Ali Nassir. C'est aussi là que nos chemins se séparent avec les Oups, qui doivent continuer de descendre au sud. Enfin, vous verrez que ça ne va pas se passer comme ça. Bravo! Ouais, il est revenu! Oui, il est revenu à mes pieds. Il m'a touché. Nickel. Je l'ai. Alors, en quel honneur ce champagne? Les fiançailles de Maïva. Avec le Touareg dans le cratère. À nos retrouvailles au Maroc. Le berger de Malan des Sources. Il avait beaucoup de chèvres. Hein. Ouais. Et il avait un puits. Il a une belle moto. Une moto avec une selle en tapis. T'as vu la théière qu'il avait? La théière, elle était sublime. Magnifique. Il aime ça sorti ça, voilà. C'est sorti. Bon, vous remarquerez qu'en fait, Là, il y en a deux. La bouteille de champagne. Je sais pas. Eh ben, au gars qui a bu le pain. Si tu peux, ils sont propres. C'est Daniel. Bon,
Merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures au Maroc.